Je suis venu ici pour vous faire entendre raison à vous et à votre mère. Il n'y a pas de raisonnement, Devon. On se met en mode super poursuite. Au secours, Mickaël! J'arrive le plus vite que je peux, pousse tes turbo au maximum. Mickaël, je suis tombé dans un piège. Je détecte un obstacle à 60 mètres du cap. Turbo boost! Les grilles sont ouvertes, ce n'est pas normal. Et je n'ai pas de réponse des services de sécurité, ce n'est pas normal non plus, Mickaël. Il a dû se passer quelque chose. Oh non. Cathy, est-ce que ça va? Que s'est-il passé? Répondez! Ils sont entrés de force. Qui? Mickaël, il vous veut. Mais qui? De qui parlez-vous? Garth. J'ai cherché partout, Kit. Il ne m'a pas laissé le moindre indice. La police a peut-être quelque chose. Peut-être, mais ce n'est pas suffisant. Attends, rien à l'intérieur, mais peut-être quelque chose à l'extérieur. Kit, sonde-moi le parc, s'il te plaît. J'aimerais voir s'il y a quelque chose qui nous attend. Bien, Mickaël. Il n'y a rien, j'en ai peur. Oh, attends une seconde, c'est quoi ça? Quoi? Il y a des traces de liquide de refroidissement de radiateur dans l'allée. Suffisamment pour le suivre? Je n'en suis pas sûr. Tout dépend de la consistance de goutte, du liquide, ou bien autre chose. Il n'y a pas de temps de discuter. Nous devons arrêter Garth. C'est bizarre, cette voiture me ressemble beaucoup, je trouve. Mickaël, viens vite, c'est important. J'arrive tout de suite, Kit. Mais qui est-ce? Alors, Kit, de quoi voulais-tu me parler? Il faut poursuivre cette voiture, je t'expliquerai en chemin. D'accord. En avant pour la poursuite!
Alors, de quel sujet s'agit-il? Cette voiture a les mêmes fonctionnalités que moi, mais c'est impossible car je suis unique. Nous devons en savoir plus. Ne la lâche pas d'une semelle. Vite, Kit, il ne va pas nous échapper. Il faudrait qu'on aille un peu plus vite. Un petit coup de turbo, mon vieux. Ils arrivent à fond la caisse. Puis-je te suggérer de passer en mode attaque? Oui, bonne idée, activez ton mode d'attaque immédiatement. Je détecte un obstacle à 60 mètres, Lucas. Turbo boost! Oui, j'ai vu. Où sont-ils passés? Tu ne les as pas dans ton scanner? Désolé, Michael, je les ai perdus. Oh! Je ne comprends pas tout, Devon. Qui a créé une nouvelle intelligence artificielle? Et qui est cet homme? Je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer, mais ça sera votre nouveau partenaire. Alors, dis-moi ce qui se cache à l'intérieur, s'il te plaît. Veux-tu les détails des consistances? Veux-tu autre chose? Cesse de bavarder et montre! D'accord, Michael. Des missiles? Mais ça pourrait détruire une ville entière! Je tiens à préciser tout de même que ce n'est pas une marque vieille, mais une marque nouvelle, Michael. Et je viens de recevoir un message de Garth disant qu'il nous attend dans un genre de hangar. D'accord, d'accord, ça fait trop de détails dans ma tête. Nous allons voir ce que Garth nous prépare. Devon, quelle surprise! Vous jouez très bien la comédie. Puis-je rentrer? Mais bien sûr. Je vous sers quelque chose. Non merci. Je préfère discuter avec vous, Eggart. Je n'ai pas l'intention de discuter avec vous. Je sais que vous détenez la formule du moule et la mémoire électronique de Kit. Je connais l'opération Red Bluff. Ça ne vous suffit pas? Non! Il me semble que vous vous êtes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Oui. Ça remonte il y a bien longtemps. Bien avant que vous soyez mort, noyé. Vous avez les mêmes réactions que fut mon père.
Et c'est peut-être pour cela que je vous déteste autant. Écoutez, je suis venu ici pour vous faire entendre raison à vous et à votre mère. Il est trop tard pour raisonner, monsieur Miles. Beaucoup trop tard. C'est la guerre, votre défaite et notre victoire. Car j'ai l'intention de vous anéantir, vous, ainsi que la Fondation pour la Loi et le Gouvernement. Et bien sûr, Michael Knight. Spécialement. Michael Knight. Nous y sommes, Michael. Voici l'hangar que Garth nous a parlé. Très bien. Tu fais la part pendant que moi, je vais jeter un œil discrètement. C'est à toi de jouer, mon vieux. Alors ? Rien à signaler de mon côté. Michael, il y a une grue géante qui se dirige vers moi, qu'est-ce que je fais ? Essaye de l'occuper le plus longtemps possible, je dois finir mon enquête. Il y a deux chariots animateurs. Ça va mal, Michael, ils veulent me botiller avec leur courge. Très bien, je te rejoins, utilise tes propulseurs. Ils m'ont fait tomber dans un genre de piège, Michael. Kit, je vais y mettre de la lumière pour y voir plus clair et utiliser mes propulseurs. Tu m'écoutes? Je n'ai pas assez d'espace pour utiliser mes propulseurs, Michael. As-tu une suggestion à me proposer? Kit, je ne t'entends pas. Michael, pourquoi tu ne me réponds pas? Kit, où es-tu? Kit ? Je ne t'entends plus, parle ! Kit ! Kit ! En passant le terrain au scanner, je reconstituais les manœuvres des véhicules. Ces traces viennent des chariots élévateurs. Et celles-là sont celles de Kit. C'était un cul-de-sac qui ne pouvait rien faire. Je crois que c'est Garth. Bonjour, mon ami. Je m'appelle Karl. Tu as la réputation d'un ordinateur très cachotier. Alors autant t'avertir tout de suite que je suis très, très entêté. Puisque tu le prends comme ça, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais je te garantis, je mettrai nu toutes tes défenses une par une. Et ensuite je ferai une transplantation de ton ordinateur central sur la nouvelle invention de Garth. Je l'ai enfin trouvé! Il n'y a pas beaucoup de signal pour le localiser. J'ai fait tout ce que j'ai pu! Calme-toi, voyons, calme-toi. Y a-t-il un moyen de le retrouver? À moins que vous alliez aux entrepôts de véhicules, c'est là-bas où il se trouve, ou je ne sais pas. J'y fonce! Que vas-tu prendre pour te transporter? Que vais-je prendre pour me transporter? J'appelle du renfort.
Lucas, j'ai reçu un message de la Fondation pour la loi et le gouvernement. Et ça dit quoi? Il nous demande de retrouver Kit, la voiture noire qui nous a pris en chasse hier. Allons la chercher. Je crois l'avoir retrouvée. La voiture est entreposée dans un hangar à 2,5 km. Établis un contact. Le contact a été établi. Tu peux parler, Lucas. Allô, il y a quelqu'un? Je suis Kit 2000 de la société Knight. Identifiez-vous. Mon nom est Kira. Je suis accompagné de... Lucas Knight. Vous êtes le conducteur de la voiture que nous avons suivie hier? Oui, qu'est-ce que vous nous voulez? Nous voulons simplement vous poser quelques questions. Il suffit de demander. Nous y sommes, Lucas. J'ai analysé les systèmes de Kit. Je vais pouvoir les réactiver à distance. Qu'est-ce que je fais, moi? Il faut surveiller le bâtiment, pendant que je fais mes manipulations. J'y vais. Mission accomplie. Qui me tire dessus? Des hommes sur le pont, juste au-dessus. Kira, empêchez de me tirer dessus. Couvre-moi. Lucas, prépare-toi à monter. Je m'occupe de conduire. Je crois qu'on peut faire connaissance maintenant. Oui. Moi, c'est Kit. Et moi, Kira. Merci pour ton aide. De rien, c'est normal entre collègues. Oui, au moins, je ne suis plus seul.